Le Digifab, c'est un centre d'expertise industrielle. Le mandat de l'équipe d'experts du Digifab, c'est d'accélérer les projets numériques en entreprise, particulièrement chez les manufacturiers. Donc, ici à côté de moi, ce qu'on voit, c'est une cellule de vissage qui nous vient, qui est très similaire de celui qui est présenté chez Digifab, qu'on a livré. Donc, dans le fond, pour ce projet-ci, c'était une collaboration entre Kinova, Digifab et Vention, donc trois compagnies québécoises. Puis, on a supporté tout le monde là-dedans pour concevoir la machine, puis la déployer de façon rapide et efficace. Dans l'environnement du Digifab, on a créé une mini-usine d'expérimentation. On a un peu reproduit différents équipements, différentes stations qu'on retrouve dans une manufacture. Ce genre de cellules-là s'adapte à tous les manufacturiers qui ont des défis d'assemblage dans leur ligne de production. La cellule, comment elle fonctionne, elle se fait alimenter par un robot sur une plateforme mobile. On insère un plateau avec des pièces qui sont déjà insérées sur le plateau. Une fois qu'on ferme la porte, on détecte que le plateau est là, donc on part notre séquence. Qu'on voulait représenter, c'était une cellule robotique, mais à sa plus simple expression, c'est-à-dire concentrée sur le vissage. Donc, la façon que ça commence, un projet comme ça, c'est simplement au client d'aller sur la plateforme MAP, puis de concevoir sa machine à travers nos logiciels. Une fois que le client va avoir tout reçu, il va pouvoir l'assembler par lui-même avec un seul outil. Le projet avec Kinova a vraiment bien été. En fait, les besoins étaient bien ciblés. Il a été vraiment efficace. On a reçu la cellule, puis la même après-midi, il était fonctionnel. Quand on parle de production de petits lots, on ne peut pas se permettre d'avoir un taux de rejet élevé. Ce qu'on voulait montrer, c'était la réputabilité, l'efficacité d'un robot. En ayant une solution robotisée, ça va permettre d'assurer la qualité, même pour ce petit lot-là. Parce que le robot est répétable. C'est que ça permet d'avoir une meilleure qualité de vissage, d'éviter aussi des problèmes de vissage. Le processus d'enseignement va prendre un certain temps. Une fois qu'il est enseigné, il va toujours répéter la même chose. La robotique, ça peut faire peur aussi en termes de difficultés d'intégration. Mais c'est sûr qu'il y a des robots comme Kinova, c'est des nouvelles générations de robotique qui ont été faites pour faciliter l'utilisation, l'intégration. On peut le manipuler à la main, chose qui n'était pas possible il y a quelques années. Le plus gros marché qu'on pense viser avec ça, c'est toutes les manufacturiers qui font de la production assez variée parce qu'ils ont des clients qui viennent vers eux pour faire de l'assemblage avec une qualité assez élevée. Donc, ceux-là, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'adaptabilité et donc une cellule prête à déployer en solution intégrée, c'est là où ça commence à être intéressant et avoir un retour sur investissement positif.